Il existe une situation dont la définition m'a toujours fait peur, c'est lâcher prise. Savoir lâcher prise, c'est se laisser aller, faire confiance aux autres, aux imprévus et en tout ce qui se vit. C'est comme ça que je me sens depuis que je suis rentrée à Mayotte. Dans la vie, il y a des choses qui me fascinent. Mais le corps humain, que dis-je ? Mon corps me fascine. Je vous raconte une histoire, une petite histoire. J'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de mes 17 ans, à Mayotte. Jusqu'alors, je pouvais me balader pieds nus, me balader sans mettre de crème solaire, me balader et faire ma vie de Mahoraise. Jusqu'au jour où je décide de partir et revenir. Et mon corps commence à me faire des phases bizarres. Comme par exemple ça. Je suis devenue allergique à la poussière, allergique aux acariens. Je suis malade jusqu'au bout. Et dans tous les cas, je peux rien y faire puisqu'il y a du vent, puisque c'est l'hiver austral. Donc, que quelqu'un m'explique c'est quoi ces histoires. Comment un corps qui a été habitué à vivre pendant 17 ans de sa vie, commence à faire des phases en mode tu dois mettre de la crème solaire, moi je supporte plus le soleil, tu dois faire attention, moi je supporte pas la poussière. Non mais ça va, Pax. J'ai montré à des gens mon œil gonflé là et tout le monde me dit ouais c'est parce que quelqu'un est enceinte. Ok, il n'y a pas de soucis, je suis grave contente, machallah, plus, je suis giga contente. Mais maintenant pourquoi mon visage, mes yeux n'ont rien à voir dans cette histoire. À une pool party, mais je suis pas du tout en pool tenue. Donc là je vais à une pool party, mais je suis pas en mode pool party quoi. De toute façon je pense pas que des gens qui vont se... ma voiture elle avance seule. Je pense pas que c'est obligatoire d'être en maillot de bain ou quoi, tu vois. Mais vas-y, j'aime bien être dans le thème, tu vois. Là je vais chercher Naïs. Vous l'avez vu dans le dernier vlog. Si vous n'avez pas vu le dernier vlog, donc c'est un très vieux ami que je connais depuis très longtemps. Et la dernière fois qu'on s'est... Ah d'ailleurs c'est lui. Allô? Oui. Je voulais savoir c'est où ça date s'il te plaît. Parce que là moi je me dirige quelque part mais je sais pas où hein. J'adore. C'est où ça date? Moi je suis juste des voitures hein. Tu vas en direction de... tu vois t'as un rameau quand t'arrives là. Je vous jure que plus jamais, mais plus jamais, je devais aller à un endroit sur l'île. Je devais aller à Sada. Je me retrouve à Ungujou. Mon gars, je me suis tapé des virages, t'as peur, je ne sais pas où je suis. Je veux plus avancer. Je panique, mon pote. C'est le numéro que vous avez. Quoi, ça m'a gagné. On a vu Sada de la vie. Oh, tout. Quand vous bilagez. Aïe 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 aïe. La villa. J'ai récupéré là, votre pote là qui m'a fait faire. Mais je te jure, c'est une randonnée de voiture, j'en sais rien. Mais je l'ai récupéré, c'est bon. Mon téléphone est déchargé à 13h. À 13h, je l'ai rechargé, je me dis, Faina va bientôt arriver, vas-y, j'ai mon téléphone. J'arrivais à 18h.
Ton téléphone, il a dû attendre comme ça. Chaud sa mère, je suis mais mort de rire à chaque fois que je vais tourner une vidéo. Ce sera dans cette voiture, dans la voiture de ma mère, genre. Et comme elle a si bien dit, sa voiture ne roule pas à l'eau, donc je vais aller mettre de l'essence, mais pas n'importe où, mais pas n'importe où, les gars. You sweet past mango, you sweet past agbalomo. No, no, where I want to go. Oh, mommy, you my bad mom. Now only you fit heal me. Baby, don't go. You said, let's be friends, oh. Let's take it gently, baby. Me, I know get friends. La plus belle station de France. Bref, c'est quoi le programme? C'est quoi les dièses aujourd'hui? Déjà, je vais me chercher un café. Et ou même du coca, si j'arrive pas à trouver. Avant d'aller à la plage. Franchement, mon programme, c'est simple ici. Soit je suis dans les embouteillages, soit je mange, soit je suis à la plage. C'est ça. Et je transpire ça. Dans les films d'horreur, c'est comme ça que ça commence. Il n'y a personne dans les entours. Il y a des gros trous. Il y a juste moi et ma grosse voiture. Je suis littéralement arrêtée en plein milieu de la route. Juste pour vous montrer la vue qui est juste incroyable. I know get bendy, baby. All I got is love for you. For you. Il y a des choses qu'on peut oublier, tu vois. Mais genre aller à la plage et oublier une serviette de bain. C'est vraiment la plus grosse bêtise que j'ai faite de la journée. Non seulement j'ai oublié de ramener une serviette, mais aussi j'ai oublié de prendre mon livre. Donc là, je vais faire quoi? Et j'ai même pas trouvé de café. On va pas se plaindre, on va y aller comme on est et puis je m'en fous, hein, je vais dormir sur... à même le sol, à même le sable. On est mardi, il est 14h, il fait chaud, genre giga chaud, et il n'y a personne à la plage. J'ai la plage à moi seule et j'ai un giga chapeau, Pretty Little Thing. Les gens sont au boulot, et puis à moi. Et il y a un monsieur qui est là-bas, il vit sa best life, il est seul. Vous le voyez ou pas? Là, là. Là, c'est moi plus tard. Coucou. Oh my gosh, il y a des étoiles de mer. Ça là, ma phobie. Là aussi, oh putain, ça me dégoûte. Oh my god. Ma sale gueule, c'est parce que je me suis réveillée un peu tard. Je dois aller prendre la barge de 7h, le bateau du coup, de 7h pour aller en Grande-Terre puisqu'on a une sortie bateau aujourd'hui. Et je suis tellement dégoûtée parce que, the fuck, j'ai du rouge, j'ai du vert. Genre, ah, ça me dégoûte de ma personne. Vous allez me dire, ouais, mais tu vas à la plage, t'as pas besoin de te maquiller. Oh, putain.
bien joué. Merci, c'est gentil. Il est 7h30. Tu sais que c'est mon endroit préféré ici. Moi aussi, j'aime beaucoup cet endroit quand je viens à Mamoudzou. Alors, j'aime bien la vue, déjà, pour commencer. J'aime bien la bouffe aussi. J'aime tout. Ils sont très généreux. Très, très généreux. Yes, le café, yes. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you Me got a girl on me bed right now. She says she no one leave. She tell me Ruga, me I want to spend the rest of me life with you. Me say no shit. Oh Lord, fly you to Maldives for a day, then we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. You fucking with the cream de la crème. Oh, c'est une dinguerie. C'est la meilleure plage que j'ai vue de ma vie. Mais on peut voir l'intérieur de l'eau tellement c'est magnifique. Oh my God. C'est bleu. Say she never seen a guy like me. She confess. Say nobody hit it right like me. She confess. Bend down, get on your knees. Girl never digress. Ça va Paris? Ça va la France? T'as un message à faire passer pour les gens qui sont en France? S'il vous plaît, restez là-bas. Je ne sais pas dans quoi ils m'embarquent, mais je sais juste qu'on doit monter une pente. Il y a quoi en haut? Personne ne me répond. Oh my gosh! Mais c'est une bonne idée d'y aller à pied? Pieds nus? On va aller en voiture. Ah, on descend comment? Par pur hasard. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? En train de mettre ma vie en danger, littéralement. Je suis littéralement en train de... S'il te plaît! Je dois monter tout ça. Allez, encore quelques efforts. On va y arriver. Moving for your private story. Let me see you in your full glory. Anything I want you show me. She did finish work, she did go in. No man can ever clone me. I'm the realest, she knows me. Fulfill all that you told me. Best life, one life. For your love, you know me, go and make your boom boom what I love. And when you see me, you be starstruck, baby. Starstruck, yeah, yeah, yeah. Là, tu me dis de retourner à Paris, je reviens pas. Ça sert à rien de m'appeler, je reviens pas. J'ai même pas de réseau ici. En tout cas, j'espère que ce petit condensé de vidéo de ma semaine vous aura plu. Et c'est sur ces images que je vous laisse, j'ai envie de vous dire. On se dit à la semaine prochaine, les gars.